Yo tout le monde, c'est Sébastien Franchot. On se retrouve aujourd'hui pour faire la suite de notre let's play sur Dragon Quest Builders 2. Donc aujourd'hui, c'est officiellement la toute dernière fois qu'on va être en charbon, tout simplement la prochaine fois. Dans cet épisode, on va quitter le charbon. Mais d'abord, on doit parler aux deux dernières personnes. Et après, on quittera pour de bon hors charbon. Bonjour Gaëtan, lorsque j'ai entendu la cloche du bâtisseur pour la première fois et que je suis venu ici, je ne pensais pas vivre une telle aventure. Et en tant que fidèle du culte des héritiers de Chaos, aider un bâtisseur à construire des lieux de débauche étant loin de mes fleurs, me fleurir à l'esprit, je peux te l'assurer. Et ce n'est pas l'unique changement. Maintenant que Bougre d'Or a rempli la mine d'or et d'argent, j'en ai envie de m'emparer d'une pioche et d'aller creuser sous terre. D'accord. Alors j'ai décidé de devenir mineur. Je m'entraînerai dans la salle de musculation jour et nuit pour me transformer physiquement et gagner le respect de mes pères. Hors charbon et entre de bonnes mains, Gaëtan. Tes propriétés se trouvent sur l'île de l'éveil. Je suis presque persuadé que tu vas en faire une véritable paradis. Il n'y a plus une seule personne à parler. Et là, c'est le dernier pratiquement dialogue qu'on aura en charbon. Oh, vous voilà tous les deux. Ce combat contre l'observatrice a dû vous épuiser. C'était rude. Nous ne nous étions pas dépensés autant depuis des lustres. Mais nous avions sauvé Bab, alors le jeu en valait la chandelle. Même si nous ne sommes plus la danseuse la plus jolie d'or charbon désormais. Nous imaginons que vous allez bientôt rentrer chez vous, mais avant cela, nous avons une confession à faire. Nous nous inquiétons un peu pour vous deux, surtout pour Malrod. Ça a deux yeux qui font peur. Ça pourrait dérailler à tout moment. Dérailler, je prends pourquoi un wagonnet de la mine. Ça serait plutôt amusant de me dire au Malrod, nous espérons que tu plaisantes. Nous n'arrivions pas à savoir si c'est innocent ou maléfique. Mais si nous restons avec toi, nous ferions tout pour t'éviter les ennuis. Ça doit nous amener sur son île. Qu'est-ce que tu en dis, Gaëtan? Oh oui, nous savions que tu allais prendre la bonne décision, Gaëtan. Sage décision, Gaëtan. Très sage décision. Excellent. Juste une question pour savoir, nous voulons savoir, il n'y aurait pas de beaux barbus sur ton île par hasard? En fait, nous sommes célibataires depuis si longtemps, pas facile de rencontrer quelqu'un dans les tunnels, mais sur une nouvelle île, qui sait sur qui nous pourrions tomber? Oh, comme nous avions hâte de voir de nouveaux horizons, quand nous serons sur cette île, ça nous fera la visite guidée, hein? Vous revoilà tous les deux? C'est tous ceux qui viennent avec nous, hein? Voilà, que t'as réussi à convaincre mon paternel de nous accompagner.
tu parles d'une surprise, hein. T'as réussi à gagner la confiance de tout le monde, pas vraiment vrai. Moi aussi j'ai confiance en toi Gaëtan, mais je crois pas que je vais pouvoir venir. Hein. Je crois que c'était ce que je voulais, hein. Mais ensuite j'ai pensé à votre voix et je me suis dit qu'il serait seul si je partais d'ici. Bah alors, qu'est-ce que tu racontes, Bave, l'ouvre d'or c'est toi? Bave, toi pas cacher un vrai sentiment, pas vouloir partir avec Gaëtan, non? C'est bon, moi comprendre, en charbon, en sécurité maintenant. Toi pas t'inquiéter, toi pouvoir partir. Mais toi, promettre quelque chose, Bave, revenir en charbon un jour pour parler lui de Gaëtan. Oh, bouvre d'or. Merci, c'est promis. Je crois, pas de boîte, pas de fer. Hein, si je mens, qu'on mange en même temps. Mon Gaëtan, bouvre d'or m'a donné sa bénédiction. Ma bénédiction, donc je me sens moins si mal. Je vais partir hein, avec toi maintenant. Alors, mets les voix. Pour tout avouer, je meurs d'envie de voir ton île depuis que t'en as parlé la première fois. J'espère que je pourrai t'aider à transformer l'île de l'éveil en petit paradis. N'oublie pas Gaëtan que tu peux en revenir à Orcharbon quand tu veux. Ça a pas besoin d'extraire tout le métal maintenant. Ça pourra revenir plus tard. En fait, on s'est occupé de rassembler toutes sortes de matériaux à utiliser sur ton île. On te les donnera quand on sera sur place. Bon, je crois qu'on est au complet. Hein. Il est temps de se rendre sur le quai. On va tous pouvoir repartir ensemble sur le bateau de Barbe Brune. J'ai hâte de voir la tête de Lulu quand on va débarquer avec toutes ces nouvelles recrues. Et ben voilà, donc maintenant je voulais dire au revoir à Orcharbon, c'est la dernière fois, c'est la toute dernière fois qu'on viendra ici. Voilà, c'est malheureux, mais bien, toutes les choses ont une fin et on y a passé, quand même beaucoup de vidéos hein, pour faire tout Orcharbon. Et voilà, on a encore 12 minutes. Donc voilà, on va pouvoir un petit peu visiter. Voilà. Donc on va pas pouvoir commencer vraiment quelque chose. Mais voilà, on va quitter. Donc vite, au revoir. C'est triste. Hein. Voilà, au revoir. Triste. Ouais, c'est triste. Hein. Voilà. Bon, bah, c'est la toute dernière fois hein, qu'on vient en charge. Donc on va y aller en marchant. Parce que bon, c'est comme la dernière fois qu'on vient là. Et c'est... Ouais, c'est vrai que c'est... Pour moi, c'est l'un des meilleurs chapitres. Donc, franchement, bah ouais, ça fait mal de partir, mais on n'a pas le choix. Faut bien continuer l'histoire. Et surtout qu'on va pas tout de suite faire le quatrième chapitre. Hein. On va avoir un petit contre-temps, et donc du coup, bah, ça veut dire qu'on va pas retourner sur une vraie île. Comme maintenant, avant au moins peut-être une dizaine de vidéos, peut-être une quinzaine de vidéos, donc voilà, on arrête une petite pause. Oui Gaëtan, comme je suis content de te revoir, et je vois que tu es accompagné de plusieurs loulous de mer. C'est tes nouveaux amis, c'est ça? S'ils sont prêts à récupérer le pont, ils sont les bienvenus. On nargue les amarres en direction l'île de l'éveil. Attends. Attendez, Gaëtan. Attendez, attendez. Vous ne comptiez pas partir sans nous dire au revoir quand même. Laissez-nous au moins
Moussa, lui, Ving. Au revoir, Gaëtan, après tout ce que tu as fait. Hein. Pour charbon, nous te sommes à jamais redevables. Maintenant que les invités de Chaos ont été chassés d'ici, cette île est promise à un avenir en bien plus bling. Mais que tu emmènes la jeune et jolie Bab loin de moi me gênera au plus hein, que au point. C'est elle le véritable trésor d'argent. Ah ouais, Bab. Ah ouais, bah c'est nous qu'on va s'occuper d'elle maintenant. Alors on va falloir s'y faire. Hein. Je croyais que c'est l'heure mettons le cap sur l'île de l'énergie. Je suis tellement content de me dire que l'étal de charbon va servir à quelque chose de bien et on est aussi tout fier de participer. Trop peu connu hors charbon. Donc là j'ai obtenu un trophée, du coup ça veut dire qu'on a fini officiellement hors charbon. Prenez soin de vous mes amis, j'espère que vous compterez le récit de vos aventures quand vous reviendrez hors charbon. Bon vent. Allez, on monte à bord, c'est l'heure de lever les voiles. Et la sauvegarde, ce qui veut dire que du coup, voilà, c'est fini. C'est pas bien du coup. Au revoir, on s'en va. Bah, en vrai, je sais pas quand on va y retourner, mais bon. C'est ainsi que leur aventure à hors charbon prenne fin. Les temps malrotres et leurs nouveaux compagnons mettent le cap sur l'île de l'éveil où les attendent Lulu. Sur les flots. Voilà, donc bah du coup bah c'est la fin. D'or charbon. Donc après on aura un autre chapitre mais qui sera dans un peu plus longtemps. Parce que comme je vous dis, enfin je ne l'ai pas vraiment dévoilé. Mais on va tout simplement être prisonnier par les unités de Chaos parce que il va y avoir une tempête, on va partir avec ce bateau et malheureusement les unités de Chaos on va heurter leur navire et malheureusement bah du coup on va être carrément dans un immense château, enfin pas un château mais dans un endroit où on va être fermé à clé, genre on va être carrément dans des cellules et donc va falloir tout simplement s'évader hein. Donc du coup ça s'appelle Balfrost. Ça doit s'appeler comme ça il me semble. Donc en gros ben voilà, force, c'est qu'on peut pas sortir. Enfin, Gaëtan récupère ses affaires dans le Balfrost. Gaëtan Malroth à Lulu. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Bon voilà, vous êtes parti super longtemps. C'est tes copains ça, Gaëtan. Salut la compagnie, bon, quand est-ce qu'on commence à construire hein? Qui sont ces gens, Gaëtan? De nouveaux sujets hein, que tu as recruté pour le land. Mais c'est quoi cette affreuse odeur de transpiration? Du maître Lulu, ravi de te rencontrer. Hein. Moi c'est Bab. On est tous venus d'Or Charbon pour vivre ici. Eh bien, soyez les bienvenus. J'ai hâte qu'on me construise un magnifique royaume tous ensemble. Lulu, comment bah, le marteleur poilu, il est toujours aussi maboule. C'est marrant que tu me demandes ça parce qu'un jour, il admirait le travail de Gaëtan quand des souvenirs lui sont revenus et depuis il a beaucoup changé.
Tiens, voilà le bâtisseur. Bienvenue sur la terre. Ferme mon pierre. Qu'est-ce qu'il fabrique ici, cela? Tu connais ce symbole? Ils font partie des héritiers de Chaos. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Moi, c'est Smazam, le chaman, mon frère. Hein. Ravi de faire ta connaissance, ouais. Nous sommes des Isionnières, hein. Des héritiers de Chaos, hein, qui avons découvert cette île, hein, par le plus grand des hasards. Hein. T'occupe pas de nous, mon frère. Quand j'ai su qu'ils étaient, hein, j'ai voulu les faire partir, mais Augustin a insisté pour qu'ils restent. Et comment il semblait s'intéresser de près à la construction, un peu comme notre regretté Patraque. Hein. Je n'ai pas supporté l'idée qu'on les rejette. Oui, il ressemble vachement à Patraque, hein, qu'on a qui est tout simplement décédé, parce que le boss l'a tué. Hein. Ça, c'est quand même fou, quand même. On meurt d'envie d'entamer la prochaine phase de la construction. Mais on n'a pas envie de se marcher sur les pieds. Et je parie que de nouveau, on a hâte de mettre la main à la pâte. On va rester en retrait le temps que tu leur montres. Quoi en faire, mais si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Oui, exactement. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelle-moi et je serai là en un éclair. Moi aussi, si tu as besoin de mes services, tu sais où me trouver. Bon, bah, c'est parti. Alors, Gaëtan, avant qu'on se mette au boulot, tu crois pas qu'on devrait aller voir ce fameux ermite poilu dont tu nous as tant parlé? Le fameux ermite poilu. Le fameux. On va lui parler. Mais peut-être la prochaine fois. Alors, on va marcher un petit peu jusqu'à temps d'arriver à l'ermite poilu, parce que là, pour le coup, j'en ai vraiment marre de parler. Pour le coup, là, il y a beaucoup trop de dialogues là. C'est vrai, on a fini un chapitre, donc du coup, il y a beaucoup de dialogues. Et pour le coup, je commence vraiment à avoir mal un peu la gorge. Enfin, j'arrive même plus à avoir de salive tellement que je parle. Ouais, j'arrive pas de boire, mais ouais. Donc, il va falloir que je fasse une pause. Hein. Donc là, c'est la dernière vidéo que je tourne en avance. Là, j'en ai tourné 4 d'affilée de 20 minutes. Donc c'est quand même vachement bon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, le chapitre 3 du coup hors charbon. Hein. Et du coup, bah, la prochaine fois, on fera un autre chapitre. Et ça sera un chapitre où va falloir reconstruire un château de princesse. Donc, il y a un truc caché. Regardez ce que l'hier, là. Regardez. Il y a une pierre tombale, là. Alors, pour le coup, fallait y voir. Fallait y voir, mais j'ai vu. On peut pas casser ça, attendez. Eh, regardez, il y a carrément un truc, là. Vous avez vu, il y a un truc ici. Ouais, mais bon, je peux pas casser ça. On n'avait pas un marteau, ouais. Ça, c'est pas les mêmes blocs, ça. Ah, c'est pas les mêmes blocs. En tout cas, c'est exactement les mêmes blocs. Bah, on peut pas casser. Alors, par contre, il va falloir ouais, s'en souvenir qu'il y a un truc caché ici, par contre. On arrive presque. Donc du coup, on va se quitter en étant devant l'ermite poilu, puis comme ça, bah, ça sera bien. Enfin,
fasse des cailloux, voilà. Donc, à demain. C'était Solution 3G.